Sporting Charleroi, les discothèques, Wake Up. C'est généralement ce qui ressort du Carolo. Charleroi, très positif. Plus que, je crois que c'est la ville la plus positive actuellement en Wallonie. Justement, Charleroi est en train de changer et les personnes qui œuvrent pour cela sont les bonnes personnes. C'est souvent ce qu'on me dit, comme je m'appelle Junior, on me demande souvent quand je vais passer senior. Ah, les musiques, je dis années 80 moi, c'est ma génération. Eh bien, un voyage me fait penser indirectement à l'aéroport de Charleroi, qui est le futur et qui est... Je reviens sur le passé, si je peux me permettre, de dire qu'on n'y a pas cru et que maintenant on peut donner énormément d'emplois, c'est ce qu'on a besoin à Charleroi et qui fait connaître Charleroi partout en Europe. Ville Haute, le renouvellement de la Ville Haute qui va arriver, c'est justement le nouveau de Charleroi avec le campus très important pour nous et tous les bâtiments qui vont dans le futur être construits. On en manque encore beaucoup à Charleroi, mais les nouveaux qui sont en train d'arriver, qui sont en train d'ouvrir, sont exceptionnels. Mais c'est ce que je passais quand j'étais disjockey et qui n'existe plus maintenant et que ça revient à la mode. Donc ça prouve qu'on fait le futur avec le passé. Je vais choquer beaucoup de gens, mais je suis un socialiste et je le resterai toujours. Mais les rêves, c'est inaccessible, donc moi, je préfère la réalité. C'est ce que j'ai eu l'idée en 2004 à Charleroi, de lancer, d'organiser, parce qu'il y avait plus ce plaisir à Charleroi où les gens de mon âge pouvaient sortir, et qu'on est en 2018, 14e année, et ça a toujours autant de succès. Donc 80, c'est ça. Oh, le rap, c'est une base de musique comme beaucoup d'autres, mais moi le rap c'est à dévier sur le funk, etc. Donc là aussi je vais être long, mais très bon, très bien. Et la preuve c'est que ça existe encore, qui est maintenant le dérivé de la R&B. Coupe du monde de football, je suis un passionné de football, donc Coupe du monde de football. La culture est de plus en plus présente à Charleroi et ça aussi, on avait un gros manque de ça et je trouve qu'actuellement, c'est très très bien avec tout ce qui nous est proposé à Charleroi. C'est très bon. La culture, c'est très important pour une ville. J'y suis pas. Je n'adhère pas. Très important dans la vie au quotidien. Et je pense que Charleroi, depuis très 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 longtemps dans le sport, se démarque très bien dans toutes les disciplines. Concurrence, aucune idée qui vient. Rien. Alors ça, j'aimerais bien vous dire que quand je pense, c'est Rockrill, l'Eden, les Wake Up, tout ce qu'on entreprend pour l'instant, que ce soit jeune ou moins jeune, au niveau de Charleroi, je trouve ça très très bon parce que ça fait parler de nous dans la périphérie et maintenant ça commence même à faire parler de nous partout en Wallonie. Donc j'adhère à tout ça. C'est super le travail que ces gens-là font dans ces domaines-là.